Vous savez, le chemin de la foi, c'est une marche très solitaire. C'est un chemin que je ne vous conseille même pas de marcher avec quelqu'un. Et vous ne pouvez même pas parce que ta foi, c'est comme la lanterne ou le phare que tu utilises pour voir ta vie, pour tracer ton chemin, pour devenir riche, pour devenir pauvre. C'est ta foi qui te permet de te lever quand tu tombes. C'est ta foi qui tient ton entreprise. Tu es à distance. C'est ta foi qui attire vers toi les personnes appropriées qui vont t'élever. La foi, c'est la substance de ta vie, la substance clé de ta vie. Et on se bat tous les jours pour garder et grandir notre foi. Les réseaux sociaux sont contre toi d'abord. Tu as les Decepticons qui sont autour de toi. Tu as tes employés Ticon, Marie Ticon, Sœur Ticon, Tante Ticon. C'est comme si tu essaies de te frayer un chemin. C'est comme si tu essaies de crier et personne ne t'entend. Tout ce qui va marcher dans ta vie, ça va commencer à l'intérieur de toi. Quand ta vie est détruite, on te détruit à l'intérieur. C'est pour ça que même quand vous êtes trahi, vous devez développer la capacité rapide de vous relever. Votre vie en dépend. L'école te dit, oh, tes enfants sont têtus. Parce que toute la journée, tes enfants passent le temps à l'école, on passe le temps à leur mettre des mauvaises paroles dans la tête même d'abord. Voilà, votre fille, elle, à l'école, elle est bizarre. Madame, votre garçon, nous sommes désolés, mais on pense qu'il va devenir ceci. Tu veux créer ton business. Ah, l'affaire ne marche même pas trop. Hein. Tu vas me faire comment? Tu crées ton business, tu prends un employé, tu le mets dedans. Ah, madame, on ne peut pas faire. C'est impossible. On ne sait pas comment faire. Les clients viennent. J'étais dans un hôtel récemment. Le monsieur a investi, il a mis donc bien beau. Mais ses employés m'ont fait partie de là. J'ai dit, monsieur, donc, hey. Tout bout de champ, vous ne le savez peut-être pas, on est en train d'essayer de voler votre foi. On veut te faire croire que ça ne va pas. Que ça ne va pas aller. Et ton combat, c'est que tu restes, tu fais tes bains. Tu as commencé à croire. Donc, il y a quelque chose qui a commencé à naître en toi. Tu as vu une petite lueur d'espoir.
cette lueur que tu as commencé à voir. Tu dois travailler sur ça jusqu'à ce que tu voies ça physiquement devant toi. Le combat de la foi, ce n'est pas petite affaire. Je me bats pour croire que je vais réussir. Je dois d'abord croire. I've got to believe that I can do this. Parfois, on prend la parole, on dit oui, rien n'est impossible à celui qui croit. Oui. Ok. Fini de bavarder là. Lève-toi de là. Pas un peu commencer un projet qui paraît impossible. C'est là que tu vas voir. Ton mari va venir dire, ah, il faut faire attention, hein. Vraiment, hein. Tes voisins vont venir, ah, il faut faire attention, hein. Telle personne va venir, ah, vraiment, tu sais, c'est difficile, hein. Tu vas me faire comment? On va te montrer les impossibilités que tu n'avais pas vues. Ce sont des murs. Those are roadblocks that they're putting on your way. Roadblocks, c'est des cailloux qu'ils mettent sur ton chemin. Je vais m'en sortir. Ce divorce ici-là, oui, c'est vrai, je sais. Mais je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. On vient, ah, tu sais vraiment, les femmes divorcées dans le pays ici, quand tu es mère célibataire avec trois enfants, c'est pas évident. Hein. Vraiment, tu vas faire comment pour t'en sortir? Non, je sais que ça va aller. Prenez la décision de rentrer dans votre chambre. Vous fermez la porte. C'est pas pour rien que la femme qui avait les deux orphelins là, la veuve avait les deux orphelins. Que les créanciers sont venus pour dire que si tu n'as pas l'argent pour payer, on prend tes enfants, on part avec eux. Et parfois, Élisée lui dit, rentre, pas demander les boîtes. Rentre, tu te fermes dans la maison. Parce que c'est la foi de la femme là qui faisait couler l'huile. C'est sa foi qui faisait couler l'huile. Elle attend un peu quand ses voisins disent, je suis venu demander le sel. Elle ouvre la porte. Elle entre un peu au salon. Elle dit, tu es en train de verser l'huile dans les boîtes. C'est le petit seau d'huile, c'est. Maman, c'est petit. Hein. Tu as vu beaucoup de boîtes comme ça, pourquoi? Regarde, tu vois un petit seau de 5 litres, tu pars chercher 800 000 boîtes. C'est quoi ça? Maman, toi-même là, tu es folle. Hein. Tu vas acheter l'huile où? Qui va te donner l'huile dans le quartier ici? Maman, l'huile est devenue chère. Hein? On m'a dit l'autre jour que 1 litre d'huile est devenu. Ah, maman, je ne sais pas comment tu as fait remplir toutes les boîtières. Élisée lui a dit que rentre, tu fermes la porte. L'ordre de Dieu. Je le fais pour le dire, c'est dans la journée parce que. Oh, Seigneur Jésus. Vous ne savez pas le combat dans lequel vous êtes. Ce n'est pas petite affaire. Ce n'est pas petite affaire. Parfois, c'est ton enfant qui sort, il part à coupe, il part porter les paroles dehors, il vient à la maison te dire. Maman, on m'a dit que tu ne peux pas. Maman, on m'a dit vraiment que ce n'est pas facile. Hein. On m'a dit que ça ne se peut pas, maman. Maman. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Maman, tu sais, vraiment, on ne peut pas faire. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès pour te parler. Parce que les paroles-là, ce sont des semences. Et vous écoutez plus les paroles des autres, de tout le monde, sauf ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire dans votre cœur. Il y a un truc qui te guide dans ton esprit. C'est là-dedans. Il y a quelque chose ici dedans qui te guide. Et tu dois entrer dans la parole pour tirer, pour sucer le lait qui va nourrir ce qui te guide ici dedans. Même en ligne, combien de vidéos tu regardes?
Tu sors de là, tu es vide. Tu as ri. Tu sors de là comme ça, tu es comme ça, comme un zombie. Ce n'est pas pour rien que TikTok, YouTube, vous mettent les vidéos amusantes devant vous tout le temps. Hein. Tu restes, tu fais 4 heures sur les réseaux sociaux. Tu t'es gavé de trucs, gavé de vidéos, gavé de vidéos, gavé de vidéos. Avec le fond mori. Oh non, 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 non. Tu sors de là, tu es comme ça. Tu as oublié même ton projet que tu voulais faire. Vous êtes dans une bataille qui est... Oh my God. La bataille de la foi. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été très sérieuse dans ma vie. Je sais pas. Très rarement, je n'aime même pas qu'on blague avec moi. Ça m'énerve. Il y a certaines blagues que je ne prends pas. Quand quelqu'un me dit, oh, je blaguais, je n'aime pas, ne blague pas, sois sérieux. Parce que j'ai toujours su que là, je prends la vie au premier degré. On n'a pas le temps. Tu n'as pas le temps de t'amuser. Et tout à l'extérieur, que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, que ce soit... Tout le monde veut diminuer ta foi. C'est une bataille. Ah, il faut faire attention. Hein. On m'a dit que... Vraiment, il faut... Vraiment... Tu vas me faire comment? Tu vas prendre l'argent où? Non. Maman, on m'a dit que là-bas, c'est sympa. Le on m'a dit que on là, c'est qui? On c'est qui pour moi? Parfois, quand ils voient les enfants de Dieu, ils disent que vous ne savez pas. You don't know what you're going up against. You don't know the way. You don't know what you have to walk through. Vous ne connaissez pas ce que vous allez encore traverser. C'est pour ça que beaucoup abandonnent, ils échouent. Beaucoup vont lancer des pages, ils vont commencer à faire des vidéos, ils vont abandonner. Beaucoup vont commencer des business, premier échec, ils vont abandonner. Chaque échec dans un business t'apprend quelque chose. Chaque échec dans un business t'apprend quelque chose. Et ce quelque chose-là, tu prends, tu mets dans ton sac, tu t'avances, tu pars. Tu continues. Développer la capacité que votre esprit soit toujours éveillé. N'aimez pas le confort. Je peux enjoy la vie de luxe, mais je n'aime pas le confort. Je n'aime pas être confortable. Oh, je suis déjà arrivé. Voilà, tu regardes ton compte en banque, tu as ta voiture, tu as ta maison, tu as voilà, tes enfants partent dans des belles écoles. Ah, je peux me relaxer maintenant. Erreur. Erreur. Tu dois pouvoir sentir quand ta foi est attaquée. Premièrement, moi personnellement, quand ma foi est attaquée, mon corps n'est pas... Je ne suis pas en paix. Je suis à mon ease. En français, on dit on ease. Comment? Je suis mal à l'aise. Bonjour, Mylène. Je suis mal à l'aise. Dans mon corps, je sens comment quand je parle de mes projets, je sens que c'est lourd. J'ai même les paroles que j'ai à peine à prononcer. Genre,
On va faire tel produit, on va vendre tel produit. Quand ta foi est attaquée, bon, on va. Est-ce que c'est possible de fabriquer le produit là demain? Bon, on va fabriquer le produit, on va voir si ça va marcher. Anas, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. On va fabriquer, on va voir. On sait, bon, on va voir le marché. Hein? La foi dit ceci. Je vais sortir mon produit. Je vais vendre mon produit. Les gens vont acheter mon produit. Ils vont enjoy le produit. Ils vont encore venir chercher le produit. Vous voyez la différence de parole? Quand ta foi est construite sur ta chose dans ton cœur, tes paroles qui sortent, ça sort comme le bulldozer qui veut cogner le mur. Tout mur qu'il y avait devant toi, tu écrases ça avec tes paroles. Et quand tu parles, c'est comme si tu mettais la lumière, le phare. Toute personne qui marche dans cette direction voit là où il part. Reconstruisez votre foi aujourd'hui. Vous avez été très distrait. On t'a fait mal ici. On a pris ton argent là-bas. On t'a ralenti ici. On a refusé de te donner tes choses. On a, madame, remettez l'application encore. On a fait comme ça. C'est comme si c'était des coups. On te gifle. On te gifle. On te gifle. Finalement, tu es là. Tu n'osais même pas. Bon, je vais laisser le produit là. Je ne lance pas pour l'instant. Je vais voir après. Te voilà, tu tombes sur les vidéos en ligne, tu es comme ça là. C'est dimanche soir, non? Tu peux sentir dans ton esprit comment ta chose est. Dieu a mis un check, un appareil qui check dans ton cœur. Et ta foi n'a pas besoin de copains. You don't need faith buddies. Je n'ai pas besoin d'amis pour ma foi. Même mes employés, je n'ai pas besoin. Non, 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 non. Si ça ne va pas, j'achète même les machines. Les machines font ce que j'ai dit. Je vois. Je crois. Je parle. Je me lève, je n'ai pas fait. Je ne veux pas savoir ton opinion. Je ne veux pas savoir ce qu'on dit que dans le pays, on peut faire, on ne peut pas faire. Les gens vont vouloir vous rabaisser à leur niveau de foi. Or, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et c'est Dieu qui descend pour bouger les choses dans ta vie. Vous serez surpris des choses impossibles que vous accomplirez. Les plus grands sorciers de ta ville, ils vont te craindre à cause de ta foi. Ils vont te rencontrer. Vous savez, la fille, elle se prend pour qui? Est-ce que vous savez que la foi, c'est une force? Quand tu vois quelqu'un qui a la foi, marche, il parle devant toi comme ça, là, tu es même jaloux que, hey, I wish I had that. Si tu pouvais avoir ça. Ma chérie, tu as acheté ça où? J'ai construit. La Bible dit la foi vient par l'écoute. Tu écoutes qui? Tu écoutes quoi? Qu'est-ce qui endort ton esprit? Voilà la nuit. Pendant que les gens sont en train de se réveiller, peut-être pour prier, pour rakashakatarabako chanter. Les koshokorababashi katarabaka santé. Les brakatarariabasonto robo chanta. Tu fais quoi? Tu donnes. Quelqu'un se lève, il dit la parole. Il prononce la parole sur ta vie. Il parle sur son nom, il se lave. Il prend le don, il met dans sa bouche, il marche.
Tu dors comme un cochon. N'est-ce pas? Tu crois que dans la journée, vous aurez le même degré de froid? Moi, t'es giflé à gauche, à droite. Quand tu rencontres quelqu'un, soit tu domines, soit la personne domine. Either you overcome or you are overcome it. There's no other way. Il n'y a pas d'autre choix. Je ne vais pas vous dire le nombre de projets que vous avez abandonnés. Parce que vous n'avez pas la foi. Beaucoup d'entre vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas compris. You're not going to get me. Mais ça ne me dérange pas. Je parle pour deux, trois personnes qui ont besoin de ça. Ta foi, c'est ton trésor le plus précieux. Prenez tout, ne touchez pas à ma foi. Don't take my faith. Don't touch my faith. Don't even go there. Il y a des conversations que je ne veux même pas avoir avec certaines personnes. Ouais, on voulait te parler de. Tu vois, tantôt que tu as commencé là, non? Vraiment, viens, je voulais te. Eh, bah, 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 bah. Non. Tu es arrogant, t'es. Tu dépends pour qui? Je dis non. Je vais mourir, non. Si tu ne t'écoutes pas, non. Laisse-moi, je meurs. Et si je meurs, ne viens pas à mon enterrement. I'd rather die in my faith. Je préfère avancer dans ma foi. Laissez-moi, je ne vais pas mourir dans ma foi. Tu sais, c'est pour ça que ne soyez jamais l'esclave de quelqu'un. Les gens qui vous donnent l'argent là, les gens qui vous. J'ai rempli un formulaire en ligne hier. Et c'est là que les gens ont demandé expérience professionnelle. Je regarde, je dis, mais attends un peu, je n'ai pas beaucoup travaillé légalement pour les gens. Hein. I haven't worked too much for people, you know. Not really. J'ai peut-être, de toute ma vie, j'étais employé plein temps. Maximum 2 ans et demi en plein. Genre, si on prend 1 mois ici, 2 mois là-bas, 6 mois là-bas, nanana, ça fait 2 ans et demi. At most. Au plus. Je regarde mon âge et je dis, waouh. Ma première entreprise, je l'ai créée en 2016. Ça, c'est légalement. Mais être dans le business, je suis dans le business depuis 2000, fin 2010. Me suis rendu compte que la majorité des choses que j'ai accomplies, ce sont des choses que je ne peux même placer devant les mathématiciens ou les comptables. Je leur dis que j'ai fait ça à partir de ça. Ils disent, non, mais c'est pas possible, madame. J'ai pris 5 litres d'huile, j'ai rempli 800 bouteilles de 1 litre d'huile avec. Mais madame, techniquement, logiquement, ça ne peut pas se faire. Mais j'ai fait. Je l'ai fait. Je suis déjà la personne que je ferme toujours ma porte quand il fait mes choses. Je shut my door. I don't care. I don't like. Come on. Je vois, je me lève et pas, je fais. Tu viens en route, tu veux parler. Je vais te manquer, moi, de respect. C'est pour ça, en tout cas, mon père biologique connaît déjà. Il connaît déjà. Que c'est pour ma fille, là. Pardon, il faut la laisser faire ce qu'elle veut faire. Il faut la laisser là-bas. Si elle suivit, elle m'appelle. Le jour, elle m'appelle, elle m'a appelé. Je sais qu'elle n'est pas morte là-bas. Voilà, ça va. L'enfant, là.
Si ne me donne pas l'argent, je vais faire comment? Voilà ce qui bloque ta foi. Si elle ne reste pas là-bas, je vais partir où? Voilà ce qui bloque ta foi. Si je n'ai, j'ai même parlé avec qui hier. Attends, ça fait quelques jours, j'ai consulté quelqu'un ou bien je parlais avec quelqu'un. La personne avait les murs dans son esprit. J'ai dit à la personne que tu ne fais pas comme ça, pourquoi? Je vais faire comment? Je vais faire comme ça. Je vais faire comment? Je vais faire comment? J'ai dit, mamie, je ne peux pas te sortir de ta situation. Tu as suivi. Parce que toi-même, tu ne veux pas sortir de là. Reste encore là-bas un peu, même 6 mois. Tu as compris? Oui. Peut-être même 6 ans, hein? On ne sait jamais. Je ne sais pas me regarder qu'à la télé. N'essayez pas de partager votre foi avec les gens. Ne coupe pas un peu de ta foi, tu veux donner à quelqu'un d'autre. That is the last thing you want to do. La foi est personnelle. C'est comme si ça ne marche qu'avec ton empreinte digitale. N'essaie pas d'aider quelqu'un. Voilà comment ils vont venir. Il y a des concessions que je ne fais plus. Il y a des gens que je ne consulte plus. Je suis désespérée. Aidez-moi. Je fais la consultation. Nope. I ain't talking to you. I'm sorry. Even if you give me $1,000, I am not talking to you. I ain't talking to you. Je suis désespérée. Aidez-moi. Tu te laves avec le sel. Oui, mais ça ne fait rien. Tu écoutes mes vidéos. Oui, mais ça ne fait rien. Ma chérie, je peux rien faire pour toi. Vous me connaissez, non? Mouf, je te snob. Tu te lèves le jour là, tu as passé 4 heures de temps à travailler sur ta foi. You're ready up and go. You're like, come on, yeah, let us take the world. Yeah, on va conquérir le monde. Yeah, up down, funky girl. Up down, funky girl. Hey, up down. Tu t'assois, tu commences à parler avec quelqu'un. Vraiment? Mes choses ne peuvent pas avancer. Non, ça va aller, madame, ça va aller. Non, non, tu ne peux pas comprendre. Je t'ai dit que ça ne peut pas aller. Mes enfants me détestent. Mon mari, c'est un idiot. Tu quittes dans ton tu là. Dix minutes plus tard. Oui, madame. Oui, madame. C'est vrai. Oui. Oui, vous savez, ça va aller. Tu viens de détruire quelque chose qui te prendra encore peut-être 6 mois pour reconstruire. I am not joking, je ne blague pas. Le business de coach, hein, très délicat. C'est pour ça que les coachs sont payés aussi cher, parce que c'est pas seulement un échange de paroles. C'est un échange d'énergie. Je prends ma puissance, je te donne. Tu me payes. Faites très attention. Et la majorité d'entre vous, vous le faites gratuitement. Tu passes ton temps à partager ta puissance aux gens. Même 5 francs, on ne te donne pas. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai dit, qui t'a envoyé? Hein? Dis toujours à mes employés que parfois quand j'ai trop de personnes qui sont impliquées dans mes business, dans les activités clés de mon entreprise, ce n'est pas bien. Parce que ce sont like, they're like
pivots, you know, they're like, ils sont comme les points clés. Tu vois, un grand bateau, et on le conduit, on le dirige avec une petite roue. Les grandes choses que vous allez accomplir n'ont pas besoin de beaucoup de personnes dedans. On vous a menti. La première chose que vous devez faire, désirer la restauration de votre foi. Tu peux vivre des jours où ta foi est endommagée, tu ne sais même pas. Des mois. Tu traverses la vie. Tu avais commencé un projet, tu as porté, tu as déposé au placard depuis 4 ans. Ta foi est où? À terre. Your faith is damaged. You're there. Tu traverses la vie. Tu ne fais pas trop, tu n'exagères pas. Tu es là. Tu traverses la vie. Je suis là aujourd'hui pour te rappeler que l'essence de ta vie, c'est ta foi. Repas chercher cette chose-là. Pick yourself up again. Relève-toi. Et ça commence ici, là. Instantanément. Quoi? Ah. Qu'est-ce qui me... Bonjour, bonjour. S'il le faut, fais 5 bains de sel dans la journée. Fais les bains de sel jusqu'à ce que tu sentes que ton corps est quand même, que ça revient en toi. Généralement, quand ta foi est attaquée, tu sens de la lourdeur dans tes épaules, sur tes bras ici, là, entre l'épaule et le coude. Tu sens des lourdeurs. Et du côté frontal, entre le coude et le poignet, c'est-à-dire cette partie de ton bras. Tu vois la partie ici, non? Cette partie. Voilà. Là-bas, tu sens des petits. C'est comme des picotements. Et tu sens aussi au niveau de ton estomac. À chaque fois, tu as toujours comme un signal là-bas qui fait le ouin-ouin, comme une alarme. Qui te montre peut-être que quelque chose de mal va se passer. Comme une peur. Là, c'est les signes que ta foi n'est pas en place. La foi, c'est une puissance qui ravitaille ton corps. Ça régénère tes cellules. Ça te donne la vigueur. C'est pour ça qu'on dit que la foi guérit. La foi peut faire que tu te lèves d'une chaise roulante, tu marches. La foi peut faire que tu sors d'une maladie, cancer. Parce que c'est ton. C'est, la foi, c'est. Aïe, 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 vous ne connaissez même pas de quoi vous amusez. Et que vous dites là, c'est très, très profond. C'est la foi qui t'a cloué là où tu es là depuis. C'est la foi qui a bloqué tes papiers. Depuis 8 ans que tu cherches les papiers, tu n'as pas. Ta foi. Et je ne blague pas. Tu restes au fond, tu dis, ouais, je suis maudite que comment non. Pourquoi ils ne m'ont pas encore répondu? Ouais, ça n'arrive qu'à moi. Je vous assure, ça, c'est des choses que je ressentais dans mon esprit avant. Il y a des phrases que je ne me rappelle même plus avoir pensées depuis au moins 2 ans. Je vous assure, moi j'étais typical doctor. Je doutais. Et pendant les 6 ans que je suis resté sans papier quand j'étais en Europe, ma foi était, j'étais dans le combat de la foi.
Le jour où on est en train d'imprimer mes papiers, je suis dans une Bible school. On a fait 5 jours de Bible school. Fait 6 ans. J'envoie mon application pour demander les papiers. On fait 1 an et demi avant de me répondre. Pendant les 1 an et demi, et quand je reçois la lettre, je dis, je savais qu'on n'allait pas me donner. Voilà ce qui jouait dans ma tête. Je sens que je souffrais avec l'enfant. Je dis que ah, je veux aussi avoir ça quand non. Je reçois, quand il reçoit le papier comme ça là, je prends quand même 4 mois pour cotiser l'argent. Pour relancer. Pardon. J'ai fait ça en 6 ans. 12 mois, il me répond. Tu imagines, on prend 1 an pour te dire que non. Après, on dit, vous avez 14 jours pour relancer, gna gna gna. Ça me prend 4 mois pour cotiser l'argent. Après, les lois changent. On te sort qu'il faut maintenant l'assurance de £500. Health insurance. Maintenant, l'assurance, c'est même £1 500. Je reste comme ça. Je dis, ah, je vais prendre encore £800. Frais de visa, £899. Frais de l'assurance, £500. Je reste. Je cherche encore l'argent. Et quand je vous ai regardé, les gens disaient que mieux d'eux. Regardez, elle a revu, elle a ses papiers. Elle s'est mariée avec un gars qui est anglais. Elle a eu ceci. Mieux d'eux. Ah, ma pas 20 jours arrivé quand. Voilà les phrases qui étaient dans ma tête. Mais pendant le temps-là, j'écoutais beaucoup de motivation. C'est pour ça que vous devez comprendre que la femme que je suis aujourd'hui, je ne me suis pas faite aujourd'hui. Je sais que j'ai beaucoup de décepticons, que quand vous me voyez, je parais tellement bête. I just look like a silly girl. Like, who is she? Oui. J'ai dû changer la femme qui est à l'intérieur de moi. I had to change the woman that's inside of me. Mon ancienne femme là, wow, elle doutait d'elle. Apparence physique bien. Il y avait des périodes avec les longues greffes, les make-up. Mais elle avait une confiance en soi qui était au niveau zéro. Zéro. Elle n'avait pas de projet. Pas de foi. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Après, quand je fais 12 mois, je crois jusqu'à déclarer que non, j'ai mes papiers, je vous déclare. Après 3 mois, on me renvoie. Madame, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas. Tcha 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 tcha. Je lis, je dis, ah, ça n'arrive qu'à moi. Je croyais même que quoi? Est-ce qu'ils croyaient même qu'on pouvait me donner ça? Je doute encore, je parle, ça me détruit. Après, je reste seul, toujours seul. Mes combats se sont passés seuls. J'écoute les vidéos, j'écoute les vidéos, j'écoute. Ils disent que la foi, c'est l'assurance. Des choses que tu ne vois pas. Je dis, ah, ma peau aussi va, je vais voir ma peau quand. Un jour, j'étais à l'église. Un homme vient de témoigner. Je me souviens encore de lui. Il était déjà le weirdo là, le genre de gars qui avait des lunettes, des grosses lunettes qui sont comme la loupe là. Il venait toujours à la prière du matin. Il vient faire son témoignage. Il dit, I have a testimony. Il avait une façon de parler là qui était très lourde, le genre de gars qui n'a pas d'énergie dans son corps. I just want to share my testimony with you. The other day, bon, traduction français, pour faire court. Il dit de l'autre jour, l'office des étrangers lui a envoyé un email. Et on a dit qu'il avait besoin d'envoyer d'autres documents pour compléter son application. Et il savait qu'il n'avait pas les documents. Il leur écrit donc, il leur dit, je vous ai déjà donné tout ce que vous avez demandé et tout ce qui est en ma possession. Maintenant, vous allez dealer avec mon application comme c'est. Je n'ajoute plus rien. Il fait, il signe l'email, il envoie. Il dit, 4 jours plus tard, on a envoyé son titre de séjour. Il dit, I am here to praise the Lord. Il avait une façon bizarre de parler. J'écoute le monsieur, dimanche. Parce qu'on faisait 4 services dans notre église, donc je faisais les 4 services. Je rentre à la maison. 2 jours plus tard, je reçois une lettre, une énième lettre, comme il m'écrivait toujours. Je crois que les gens du home office là me connaissaient même déjà. Bon. Oh, voilà la lettre.
Madame, nous avons besoin d'autres informations pour compléter votre application. Voilà, vous devez encore prouver ceci, ceci, cela. Je reçois la lettre, je dis, ah, encore, je savais. Je commence à douter de moi. Je dis, ouais, Seigneur, je savais. Le témoignage de l'homme-là revient à ma tête. Je m'assois. J'ai pris le papier. J'ai fait une lettre manuscrite. Dear sir, madame. Unfortunately, I don't have the documents that you've requested. I've given you all the informations that you needed and you've asked for. And I don't have any further informations to provide. Therefore, you are requested by myself to deal with my application the way it is. Respectfully, justly. J'ai pris un petit tissu béni qu'on avait à l'époque là. J'ai mis dessus, j'ai parlé, j'ai dit que mes anges, je vous partage ma lettre. Que celui qui va toucher ça, qui me donne mon titre de séjour. Je suis fatigué de souffrir dans ce pays. Tout ça, c'est seul. Hein? J'emballe la lettre, j'envoie. Je lui ai en fait dit dans la lettre que je n'ai plus d'informations à vous donner. Je vous ai donné tout ce que j'avais et tout ce que vous m'avez demandé. Donc, dealez avec mon application comme c'est. La semaine qui a suivi, on a commencé le Bible School. Ils appelaient ça WOFP. Word of Faith Bible College, ou un truc comme ça là. C'était 5 jours. Lundi, on commence les cours. Ils nous enseignent. Et le monsieur insistait que vous êtes en train de nourrir votre foi, mais vous ne serez pas testé à la fin de ceci. C'est la vie qui va vous tester. Me voilà. Mardi, mercredi, on entend de, pendant qu'un enseignant est en train d'enseigner par rapport à la foi toujours, le Saint-Esprit me dit, on est en train d'imprimer ton titre de séjour aujourd'hui. Je dis, hein? Il dit, non, 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 ça c'est pas vrai. J'ai tellement attendu que, il me dit qu'on est en train d'imprimer ton titre de séjour aujourd'hui. Tu sais, Justine, je dis toujours, et ça c'est mon combat avec mon entourage. J'ai des gens proches de moi, comme ça, là, proches, qui ne me croient pas. Je leur dis toujours que je suis vrai. Et je n'ai même pas besoin de dire que je suis vrai. Il n'y a que les personnes vraies qui vont me reconnaître. Et les personnes fausses vont toujours croire le faux de moi. Je ne cherche à impressionner personne. Je ne cherche à. Sinon, je serais ici avec une belle perruque. I don't care. Je me suis levée, je suis allée faire je suis allée faire plein de choses que le Seigneur m'a montré de faire. Après, il m'a dit, partage ce message avec eux avant de partir te coucher. Je me suis levée à 1h50. Donc, j'ai dépassé le niveau où je veux vouloir prouver à quelqu'un. Parce que ma foi, je sais. Comme je sais, là, c'est pour moi, c'est bon. Hein. Si tu sais ou tu ne sais pas, m'en fous de toi. Voilà mon titre de séjour, donc. Mercredi, là, le Seigneur me dit, comme je suis en train de te donner ton titre de séjour, pas que si, mais comme, qu'est-ce que tu me promets de faire? Il dit, oh Seigneur, je veux d'abord voir, non, avant de te dire. Il dit, non, tu dois croire par la foi. Comme je suis en train de te donner ton titre de séjour, tu promets de faire quoi? Il dit, d'accord, je ne vais pas travailler, je vais d'abord faire du bénévolat, je vais servir dans cette église pendant 6 mois. Voilà l'accord que je passe avec Dieu mercredi. Je rentre le jour là, rien. Jeudi, rien. Vendredi, je rentre. Je vois, parce que quand en Angleterre, quand la poste passe, on ne te voit pas. On te laisse un petit. C'est un petit bout de papier rouge. On dit, you have to pass to the post office. On te dit là où on a laissé ta lettre. Je vois le papier là, je vois mon nom dessus. L'esprit me dit que voilà ta carte de séjour qui est arrivée. Je vais aussi voir avant de croire. Parce que j'étais rentré vendredi le soir, vers 18h ou 19h. Le lendemain, je pars au poste office. Je me rappelle encore de ce jour-là. On me donne le document que j'ai reçu. Je prends.
Je vois d'abord, c'est une enveloppe. Là, le home office écrit généralement là, les enveloppes kaki, ceux qui sont en Angleterre. Et tout, je vois UK Border Force, quelque chose comme ça là. Home office, quelque chose. J'ai oublié l'adresse, un truc comme ça. Je touche le papier. J'ouvre. Tu sais, quand tu as ceux qui n'ont pas eu les papiers et qui ont eu après, vous me comprenez, vous savez de quoi je parle. Je vois ma photo sur le papier là, sur la carte. J'étais pas content d'avoir le titre de séjour, mais j'étais content parce que ma foi s'était activée. C'est comme si j'avais la preuve vivante que la foi marche. C'était pas genre, oh, ma vie va changer, je peux finalement demander les bénéfices, je peux demander l'aide sociale, non. C'était pas ça. C'était genre, j'ai combattu le démon qui bloquait mes papiers. Là, je touche le papier, ça, je remercie le Seigneur. Il me dit, rappelle-toi de la promesse que tu as faite, ça fait 3 jours. On était samedi. Et je regarde bien le jour où on a imprimé mon papier. C'était mercredi qu'ils ont mis. Parce que quand ils font le papier, ils disent bien que valide du temps au temps. La date, c'était la date de mercredi là. Je suis resté comme ça là. J'ai dit, wow, tu me bloques toi là, tu m'as coincé. Je me rappelais donc, je me suis rappelé de l'engagement que j'ai pris avec Dieu. C'est comme ça que j'ai travaillé de février. Non, attendez, j'ai travaillé de août. C'est en août où j'avais eu ça. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. C'est en février donc que j'ai arrêté. J'ai arrêté vers le 8 février. J'ai fait 6 mois de bénévolat. J'étais traductrice, j'étais secrétaire à l'église là. Et même dans ce temps encore, Dieu a encore pris du temps pour construire ma foi. Tes combats, hein, c'est toi seul qui dois les mener. Et ça va se passer quand tu en auras marre de laisser l'opinion des autres déterminer. Parfois, je suis quelqu'un que je menace beaucoup les gens. Parfois, tu viens, tu dis que tu veux me parler, tu veux la consultation. Je vais te menacer jusqu'à ce que tu vas partir. Parce qu'elle veut voir. Tu crois que tu mérites de venir parce que tu as 70 000, tu dis que je vais te parler. Je m'assois et t'écoute. Tu crois que quoi? I want to deal with faith. Je veux dealer avec la foi. Je ne veux pas dealer avec vos pleurs, vos choses-là. Tu me dis, hein, je dis ok. À l'heure où on est censé parler, c'est à l'heure là que j'ai faim. Je me lève et pas d'abord manger. Après, tu m'écris et dis que maman, je suis désolée, j'ai mangé moi. Après, dès que je dormais. Et vrai, vrai, c'est pas que j'avais. Je ne veux pas te menacer, mais à l'heure là, je n'avais pas envie de te parler. Je te menace, je te tourne, je te monte, je te descends, je te monte, je te descends. Souvent, tu vas voir d'autres personnes, quand tu fais comme ça, là, une, deux, trois fois, comment se fâcher. Hein? Ça veut dire, dit, ah, ton démon sort maintenant. Voilà ton démon que tu voulais mettre sur moi, là. Tu as frappé à la mauvaise porte. You just knocked on the wrong door. Just on the wrong door, not me. Not today. Ok, ma chérie. Oui, vraiment. Nanana. Tu commences à bavarder là. Je dis, madame, on vous rembourse à quel numéro? Si c'était PayPal que tu avais fait, je dis, madame, c'est quoi votre email? Vous avez payé quand? C'est fâche. Oui, voilà ça. Je dis, merci. Je rembourse de faire la capture d'écran. Je te renvoie ton message. Je dis, bon, bye. Et je te bloque. Tu as compris? Ma foi est précieuse. Mon temps est précieux. Mes paroles sont précieuses. Je ne peux pas avoir ma foi pour dealer avec un business de 10 millions. Tu viens avec tes petits faux problèmes parce que tu m'as donné 50 000. Tu viens porter ma foi, tu pars avec. Tu es malade. Votre foi, c'est votre trésor. Je vous ai dit l'autre jour que ce n'est pas n'importe qui mérite que tu dises bonjour inbox. Ou que je chante blaguer. Il y a des conversations, il y a des gens qui m'écrivent et je ne réponds même plus. J'ai même mis sur mon statut hier que si tu m'écris, je ne réponds pas, ne m'écris plus.
Ça veut dire que tes messages ne m'inspirent plus. Je ne vois pas ce qu'elle te dit. Il y a certains ex même là que souvent ils disent ça. Bonjour. Why are you bonjour, Rimi? Why? Donc bonjour, Mi. On m'a dit bonjour, quoi? On a quoi à se dire? Parce qu'il y a une probabilité qu'on soit plus sur la même longueur d'onde. Et toute personne avec laquelle je parle, tout dialogue que j'ai, je dois m'assurer que je deal quelque chose avec toi. Si on ne deal plus rien ensemble, basta. On a encore quoi à se dire? C'est avant que mon esprit était faible. J'avais espoir, peut-être qu'il peut me donner, peut-être qu'il peut me faire, peut-être qu'il peut me pistonner là-bas, peut-être qu'il peut me déposer là-bas. Ah, je prends mon taxi. I just grab my own cab, man. What are you talking about? La foi pour se conserver doit être indépendante. Tu dois détecter quand ta foi est attaquée. Tu dois savoir quoi faire pour protéger cette foi. Parce que généralement, quand cette foi est attaquée, c'est parce que tu as ouvert la porte. Tu es sorti, tu as ouvert la porte, tu as laissé, tu as oublié la porte ouverte. N'importe qui est venu l'entrée. Ploufou! La cour du roi Péto. Tu dois avoir des personnes clés en ligne. Que tu sais que je peux passer 4 heures de temps dans la nuit. Donc de 22h à 3h. De 22h à 5h. J'écoute la personne si j'écoute. 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 À un moment, quelque chose va sortir de ton esprit comme ça que ya! Tu vas dire que yes! C'est pas la blague. This is no joke. Et je vous dis encore ce que j'ai dit aujourd'hui là, ce n'est pas pour tout le monde. Je ne parle pas pour tout le monde. Je ne cherche pas les vues. Je m'en fous de vos vues. Facebook ne me donne pas d'argent pour les vues. Voilà. La foi vient par l'écoute de la parole. Qu'est-ce qu'il y en a dans ton oreille? Qu'est-ce qu'il y en a dans tes yeux? C'est délicat. Il y a même les gens que, je vous ai dit, même les inbox. Même les gens qui te font bonjour. Quand tu vois son message, tu te fais un genre. Ne réponds pas. J'ai des connaissances comme ça, non? Bon, oui, on se connaît depuis, c'est mon ex-meilleur ami. C'est mon ex-cousine ou cousin. Bon, si la personne quand même, if the person hits me, I gotta reply. Je veux même plus me rappeler de toi. C'est pas, je suis pas dur, je suis pas rude. I'm not being rude. Je suis pas rude en français, c'est quoi même? En tout cas, traduisez. Je ne suis pas dur. Mais tu dois faire ce que tu dois faire pour garder ta foi. Tu dois faire ce que tu dois faire. À la guerre comme à la guerre. Même vos baby daddy là, les pères de vos enfants. Certains des pères de vos enfants, votre énergie ne doit plus rentrer dans leur énergie. Quand vous étiez ensemble, il a toujours voulu te rabaisser. Il a toujours voulu te rabaisser. 10 ans plus tard, il n'a pas changé. Et il voit que tu es en train de te relever. Il sent que la femme est en train de changer. Elle est en train de changer. Vous seriez surpris de connaître le comportement, ce qui est dans le cœur de certaines personnes par rapport à vous. Certains, quand l'enfant rentre à la maison, tu ne demandes rien sur sa vie. Mais quand l'enfant parle chez lui, il faut voir les questions qu'il pose sur toi à l'enfant. Elle fait quoi maintenant? Elle est avec qui? Elle a fait ça comme ça, pourquoi? Après, tu vois, quand il vient déposer l'enfant, il te lance un petit mot. Je sens qu'il a scanné ta vie sur l'enfant, à travers l'enfant. Fais très attention. C'est un d'entre eux, quand il vient prendre l'enfant comme ça, c'est même pas parce qu'il aime trop l'enfant, là.
Oh shit, man. Je veux même pas trop dire des mauvaises paroles ici. L'homme est mauvais. Les petits 200 euros qu'il te donne au mois, là, ça fait quoi dans la vie de l'enfant là? Donne le compte bancaire, il transfère, ça part là-bas, ça reste. Quand l'enfant aura 18 ans, il va les retirer. À cause de 200 euros, quelqu'un a l'accès sur ta vie tous les jours. Tu n'as même pas, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Moi, c'est là. Je suis parfois radical, hein, Jacques. C'est comme si je suis bipolaire, mais je ne sais pas. En tout cas, je rejette ça, je ne suis pas bipolaire. Mais tu vois, comme ça tourne dans ma tête. Qui craque? Ça fait seulement que crac, crac. Je dis, mais ah, c'est toi qui avais dit, j'ai dit que je ne veux plus. Paye dans le compte bancaire là-bas. De toutes les façons, quand tu prends un enfant, tu passes le temps seulement à questionner l'enfant à propos de moi. L'enfant va rentrer et tu connais ton enfant, tu connais, tu sais qu'il y a quelque chose qu'on a dit à l'enfant ici. C'est très délicat, hein? C'est très délicat, fais très attention. J'ai développé un égoïsme et un égocentrisme dont je suis fier. I prioritize myself. Je vous assure, la fait que vous dites que vous vous sacrifiez pour vos enfants, là. Quand tu seras vieille, ton enfant va pas se sacrifier pour toi. Tu vas commencer à pleurer après tout ce que j'ai fait pour toi. Non. Il y a certaines personnes dans votre ancienne vie qui sont toxiques pour vous. Et vous le savez. Parce que chaque fois que vous êtes en contact avec eux, il suffit seulement que tu pars pour chercher l'enfant et tu vois seulement la personne. Peut-être à sa nouvelle femme là. C'est une de tes amies qui a fait le tapis d'eau avant de prendre le gars. Tu vas encore causer quoi avec eux? Il y a même certaines maisons que vous ne devez plus envoyer vos enfants dedans. Il faut qu'elle connaisse son père. Il faut que. Depuis qu'elle part là-bas, regarde son moral. Regarde comment le moral de ton enfant est. En tout cas, ça, c'est le message de quelqu'un là-bas. Observe la contenance, comment on dit. Et observe ton enfant depuis que l'enfant part là-bas. Et quand tu parles de ça aux gens, on croit que tu es folle. Tu n'es pas folle. Moi, c'est là. Certaines maisons me prennent pour une folle. Je m'en fous. On ne paye pas le loyer chez moi. Ça va déséquilibrer l'enfant. Tu vas voir. La raison pour laquelle vous vous êtes d'abord séparés au départ, parce que tu avais la foi, tu étais convaincu de certaines choses et l'autre personne n'avait pas. Maintenant, comme toi, tu as persévéré dans ta foi. J'ai des choses que je vis aujourd'hui, c'est parce que j'ai persévéré dans ma foi et mes croyances. Aujourd'hui, c'est en train de donner. C'est ça qui me donne l'argent. Vous croyez que les ex là sont contents? Certains sont fâchés avec toi parce que tu m'avais tu vas tu m'avais quitté, tu m'avais largué. 10 ans plus tard, il revient. Bonjour. On n'a rien à se dire. Moi, j'ai une politique. Hein. Si j'ai fait 1 mois, 2 mois, voilà, on met les choses dans la tête de l'enfant pour le monter contre toi.
Tu vois, l'enfant rentre à la maison, il est bizarre. Tu parles, il fait un peu genre. Tout cas, ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Ça c'est un autre subject pour un autre day. Si je fais 1 ou 2 mois, je n'ai pas, je t'ai pas écrit. Je n'ai pas eu besoin de tes services. Je n'ai pas eu besoin de te voir pour quelque chose ou de t'appeler parce que ça veut dire que ton numéro n'a plus besoin d'être dans mon répertoire. Vous avez les numéros que vous avez gardés depuis 3 ans. Même mes clients, tous les 6 mois, je renouvelle mes clients. Oui. Je sais que les très, peut-être seulement peut-être 5% des personnes qui me suivaient en novembre 2021, qui me suivent encore en 2023. Ça veut dire que vous avez passé le test de 1 an. Vous avez fait plus d'1 an avec moi. Les autres viennent, ils vont. Dès que je ne donne pas ce qu'ils veulent, ils partent. Je dis partez. Comme tu sors comme ça, là, 2 personnes vont entrer. Et là, le chemin de la foi, c'est un chemin très long. Sur le chemin, tu apprends à te débarrasser de certaines habitudes, à dire non à certaines personnes. Tu changes, tu te transformes. Tu deviens radical sur certaines choses. Tu as certains de tes ex là, non? Ça fait 10 ans qu'il t'a pas vu, il revient dans ta vie aujourd'hui. Il t'écrit n'importe comment, mais il se rappelle que tu avais ton magasin quelque part là. Il part au magasin pour te voir. Il espère te voir. Il arrive, tu ne le calcules même pas. Mais elle a changé. Ah, tu n'es plus comme tu étais avant. Je ne cherche pas à te faire plaisir. I'm just who I am now. La femme que tu as connue là, à qui tu faisais des gnignignes là, tu faisais des bêtises là, tu étais tout derrière toi. Tu vas revenir, te faire genre, je suis single. Je n'ai personne dans ma vie. Pourquoi tu aies espoir? Tu m'as donné l'espoir combien de fois? Et puis même de toutes les façons, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Franchement, bonjour. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Parce que vous ouvrez certaines portes au passé. Ça vient sucer votre foi. Tu rentres le soir au lieu de réfléchir sur tes business, ou de réfléchir sur tes projets que tu vas faire. Tu vas te dire, ah, peut-être qu'il a changé. Il n'a pas changé. Point. Il n'a pas changé. Quand tu détectes donc toutes ces choses dans ton corps, s'il le faut, plonge-toi dans la baignoire avec du sel. Même si c'est 4 fois par jour. S'il le faut, lave-toi avec le sel 5 fois par jour. Tu dois aussi contrôler ce que tu manges parce qu'il y a des nourritures lourdes. Il y a des nourritures qui t'alourdissent l'esprit, le corps. Beaucoup de viande là, les trucs avec trop de viande là. Et ce que tu manges, c'est bon dans la bouche, mais ça c'est comme le caillou dans ton estomac. Vous savez que l'estomac, c'est le centre direct. C'est un peu comme le solar plexus. C'est le centre direct du stress. Vous avez vu mes t-shirts? C'est un nouveau t-shirt, je vais vous les montrer. Je suis la lumière du monde. Ils auront bientôt en vente. C'est le t-shirt de Kitty Kay Academy. Donc, est-ce que vous mangez? Et ce que j'ai remarqué chez moi aussi, c'est que quand je suis high dans mon esprit, quand je suis au top de ma forme, il y a des trucs que je n'ai pas envie de manger. Maintenant, quand je commence à accepter, je parle avec n'importe qui, je passe des heures sur TikTok, je traîne. Tu acceptes qu'un de tes ex t'appelle pour parler. Oh.
Ça là. Tu finis, tu as soudainement envie d'une fausse nourriture, le héros par exemple, qui va t'alourdir le corps. Une nourriture qui a plein de viande bizarre dedans. C'est ça que tu as envie de manger. L'envie là. Tu vois l'envie, le goût là. Ça vient de l'esprit de la personne avec qui tu es en train de traîner là. Le monde est très spirituel. Hein. Emmanuel, bonjour. C'est pour ça que la façon facile de briser ça, tu jeûnes. Tu mets 3 jours de jeûne. Ça casse les liens spirituels qui ont été tissés là. Ça casse ça. Oui, tu trempes dans le bain de sel là. Oui. Et quand tu te trempes dans ça, mets des messages, tu écoutes. Tu vas sentir comment ton corps est comme une batterie électrique. Tu sens comment ça se recharge. L'une de mes plus grandes phobies, c'est de m'endormir spirituellement et de ne pas savoir que je suis endormi. Je demande toujours à Dieu de me donner la grâce de me rendre compte. Tu vois, quand tu t'endors, en dormant, l'esprit te dit, va te laver, va te laver, va te laver avec le sel. Finalement, tu vois 5 heures arrive, 6 heures, tu t'es pas lavé. J'ai eu quelques fois, ça m'est arrivé. Quand c'est comme ça, reviens en arrière, tu vois. Tu as écouté qui? Tu as parlé avec qui? Qui t'a visité? Tu as regardé quoi? Comme film. Parce que voilà les choses qui sucent ta foi. Et la foi, quand elle est partie, elle peut revenir. La foi, je la vois plutôt comme quelque chose qu'on peut. Tu vois, un peu dépose une petite ampoule au sol, tu allumes. Tu prends plein d'habitude, tu déposes sur l'ampoule. L'ampoule va peut éclairer la pièce. Donc, quand ta foi est toujours à l'intérieur de toi, mais tu as couvert avec plein de choses. Maintenant, quand tu viens restaurer ta foi, tu enlèves tous les habits qui couvraient ta foi. Tu enlèves. Tu enlèves. Et la personne avec laquelle tu couches, oh my God. Tu peux parfois faire ton travail spirituel. Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Tu vas coucher avec un Decepticon. Il annule tout ton travail là. Chaque fois, tu te dis, mais pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai beaucoup de doute dans mon esprit? Pourquoi j'ai ça? Oh, baby girl. Je dis toujours, le petit plaisir que ça donne n'est rien comparé à la victoire que tu obtiens après. Ça ne vaut même pas la peine. Retiens-toi. Abstiens-toi. Éloigne-toi. Je recharge votre foi aujourd'hui. Je vous donne comme ça un dépôt direct de foi dans ton esprit. J'enlève toute barrière, tout cadenas qu'il y avait sur ta lumière. Je casse cela au nom puissant de Jésus. Toute montagne qui était devant tes yeux, qui faisait que tu ne voyais pas là comment ton projet va aboutir. Je commande selon Marc chapitre 11, versets 25 et 26. Je commande à cette montagne de se bouger et d'aller se jeter dans la mer au nom puissant de Jésus. Je mets la croyance dans ton esprit.
Il déclare que tu reprends ce que tu avais déposé, abandonné. Toute parole de blocage qu'on t'avait dite depuis 2 ans qui est dans ton esprit jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que tu penses à faire la chose là, ça te bloque. Chaque fois que tu penses, ça te bloque. Je vous libère de toute prison aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je libère le lion qui est en vous. Toute parole que tu as reçue, toute instruction que tu as reçue, et on t'empêchait dans ton environnement de mettre en pratique. Je te libère maintenant pour que tu mettes en pratique au nom de Jésus. Recevez votre grâce. Recevez la grâce de vous lever. Je vois quelqu'un qui est en train de parler comme ça. Ta chair est en train de bouger. Tu sens comment quelque chose se détache de tes bras. Toutes les chaînes qu'on a mises pour attacher tes bras. Je libère tes bras instantanément au nom de Jésus. Quand Jésus est arrivé au bord de l'eau, à Bethsaida, il a trouvé le monsieur qui est là-bas, qui était là-bas depuis 38 ans. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et va te montrer. Je te commande de te lever. Toute vallée de l'ombre de la mort, selon Luc 4, verset 16, dans laquelle on t'avait assis, on t'a déposé, on t'a attaché. Toute personne qui a vu ton potentiel, qui est venue te parler pour te décourager, j'enlève les paroles de ces personnes-là, j'enlève les chaînes sur tes pieds, j'enlève les chaînes sur tes mains. Et je te commande de te lever au nom de Jésus. Je sens quelqu'un que tu as des douleurs dans le corps depuis. Je te dis que peut-être que c'est, peut-être que c'est, peut-être c'est le cancer, peut-être c'est le ceci. J'enlève la maladie de ton corps. Toute pensée affaiblissante que tu as reçue, toute pensée que tu es en train de ruminer depuis des mois, toute maladie que tu es en train de laisser s'insérer dans ton corps petit à petit, je chasse cette maladie de ton corps. Je chasse le rhumatisme. Je chasse le cancer de sein. Je chasse le mal de genou. Toute personne qui t'a fait croire qu'il est ton Dieu, financièrement, c'est la personne qui t'a attaché avec l'argent. C'est bien que tu crois que tu es obligé de venir chaque fois avec la personne pour prendre l'argent. Je te libère de la prison mentale qui faisait que tu retournes toujours vers la personne pour l'argent. Toute influence que cette personne avait sur toi, je viens briser au nom de Jésus. Reçois tes papiers aujourd'hui au nom de Jésus. Tu verras comment on a imprimé sur la date où on a fabriqué, on a imprimé ton papier. Que ce sera cette date, la date d'aujourd'hui. Tout procès que tu attends depuis la date, on te donne la date du tribunal, ça ne sort pas. Aujourd'hui, je déclare qu'on te détermine la date. Tout ex qui ne veut pas te laisser partir. Toute attache d'âme que tu as avec tes ex, avec quel que soit l'ex. Il y a quelqu'un qui vient dans ton esprit. Je coupe, je prononce votre divorce spirituel maintenant au nom de Jésus. Je prononce votre divorce spirituel maintenant au nom de Jésus. Tout père ou toute mère d'enfant qui te menace par rapport à ton enfant, qui utilise l'enfant pour avoir de l'emprise sur toi. Chaque fois que tu penses à cette personne-là, tu te sens mal. Je libère l'influence que la personne, je te libère de l'influence de cette personne sur toi. Je déclare que tu ne vas plus supplier le père ou la mère de ton enfant. Tu reprends le dessus. Tu reprends confiance en toi. Toute porte que tu dois fermer pour reprendre ta foi, reçois la force pour fermer cette porte aujourd'hui. Toute
personne que tu dois laisser partir pour te sentir mieux, pour reprendre ta foi. Je commande aujourd'hui que tu laisses partir cette personne. Laisse partir cette personne maintenant au nom de Jésus. Laisse partir cette personne maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens vous guérir de tout handicap spirituel. On t'a fait boiter spirituellement. Tout employé, tout collaborateur, toute personne dans ton entourage qui t'affaiblit, qui te manipule. Je déclare que tu es libéré de son emprise. Toute personne qui pratique sur toi, qui travaille avec toi, mais pratique sur toi. Je viens ouvrir tes yeux pour que tu voies ces pratiques. Et je te libère de l'emprise de cette personne. Maintenant, au nom de Jésus. Je fortifie ton cœur. Je fortifie ton cœur. Je fortifie ton cœur et déclare que tu connais ce que tu veux. Je mets en toi la confiance. Toute personne qui t'a dit que tu ne peux pas t'en sortir avec les enfants là, je chasse ce mensonge de ton esprit. Je chasse ce mensonge de ton esprit. Reçois ta force. Tu es une femme forte. Tu es une femme forte. Tu es un homme fort. Tu vas recevoir ton visa pour voyager au nom de Jésus. La position qu'on dit que tu ne pouvais pas avoir. Aujourd'hui, pas déposer ton application là-bas. Va déposer ton dossier aujourd'hui. Va mettre ton application là-bas. Tu auras le poste. Toute personne dans ton entourage qui t'écrit, tu te sens forcé de répondre. Tu te sens forcé, obligé de venir ouvrir la porte pour qu'il entre chez toi. Je t'enlève de tout esclavage émotionnel. Je t'enlève de tout esclavage sexuel. Toute manipulation sexuelle que tu as subie depuis des années. Tu tournes, tu fuis le gars 5 ans, il revient la 6e année, couche avec toi. Aujourd'hui, je déclare que plus jamais. Je déclare que plus jamais au nom puissant de Jésus. Tout cycle répétitif qu'il y a dans ta vie, qui tu tournes, tu reviens au même endroit. Tu tournes, tu reviens au même endroit. Je te sors de ce cercle maintenant. Je te sors de là. Je déclare que tu avances. Reçois la capacité de fermer ta bouche. De ne plus partager tes projets avec les gens. Toute personne qui te manipulait, dès que la personne dit que bonjour, tu es en train de raconter tout. Je ferme ta bouche maintenant. Je déclare que tu fermes la porte pour faire tes activités. Tu fermes la porte pour faire tes activités. Toute personne qui dans le passé a eu l'emprise sur toi, qui est en train de revenir petit à petit dans ta vie pour te contrôler, je déclare que tu reçois maintenant la force de te libérer. La force de dire non et tu te tournes, tu marches sans regarder derrière. Au nom puissant de Jésus, reçois ta force maintenant. Toute grande sœur qui a abusé de ta confiance, qui a abusé de ta confiance, je te libère de son emprise. Je te libère de son emprise. Je te libère de son emprise maintenant. Tout faux prophète qui était dans ta vie, qui t'a fait croire que sans lui, tu ne peux rien faire. Je te restaure la parole. Je déclare que la parole de Dieu te guide. Les faux prophètes qui étaient dans ta vie, ils vous ont mal expliqué la parole. Ils vous ont mal expliqué la dîme. Ils vous ont mal expliqué la foi. Je libère votre esprit de leur emprise. De temps en temps, tu restes comme ça, tu doutes, après tu repars avec la personne. Ils t'en donnent encore. Voilà, il te dit, je t'avais dit non. Je t'avais dit que tu ne peux rien sans moi. Je te libère de l'emprise des faux prophètes au nom puissant de Jésus. Reçois ton indépendance spirituelle. Reçois ta vision de qui tu es.
Toute personne dans ton environnement qui venait gâcher tes bains, tes prières. C'est quand tu allais faire ton bain que la personne vient. Elle, oh, viens, viens dans ma chambre, viens. Toute personne qui avait toujours, tout démon qui est dans ton entente, dans quelqu'un de qui vit avec toi, que ce soit ton enfant, que ce soit ton mari, que ce soit n'importe qui t'empêche de faire ton travail spirituel. Je leur commande de sortir de ta maison. Je restaure ton travail. Je restaure ton travail spirituel. Reçois la force pour te lever la nuit et faire tes prières. Reçois la force pour te lever et reconstruire ta foi. Reçois la restauration de ta force. Je vois que quand tu avais une foi comme le bulldozer, à l'époque, tu étais quelqu'un que quand tu te levais pour faire quelque chose, ça va marcher. Depuis 4-5 ans, tu es l'ombre de toi-même. Reçois maintenant ta force à nouveau au nom de Jésus. Je brise la cage dans laquelle on t'avait mise. Luc 4, versets 18, 19 et 20. Je brise la cage dans laquelle on t'avait mise. Pose la main sur l'estomac. Tout mal d'estomac que tu as depuis 2, 3, 4 ans, 10 ans, qui t'empêche de jeûner, qui t'empêche de te faire n'importe quoi, qui t'empêche de croire. Dès que tu veux un peu croire comme ça, là, la peur revient dans ton corps. Mettez la main sur l'estomac. Ange Michael, je libère cet enfant de Dieu, de toute malédiction, de tout mauvais esprit qui s'est installé dans son estomac. Je commande à cet esprit de sortir de ton corps. Au nom de Jésus, je guéris ton estomac, je guéris ton estomac, je guéris ton corps, je guéris ton corps, je guéris ton corps, je guéris ton corps, je guéris ton corps. Je déclare que ce corps se lève pour aller accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire. Recevez la foi pour concevoir en ce mois de février. Reçois la foi pour concevoir ton enfant. Je chasse les mauvaises couches. Toute déception que tu as eue. Chaque fois que tu es responsable après, tu crois que tu es enceinte après ça part. Reçois la foi pour concevoir ton enfant. Reçois la foi pour concevoir cet enfant. Que ta bouche et tes pensées ne détruisent plus aucun enfant dans ton corps. Au nom de Jésus. Voilà. C'est tout pour cette nuit. Il faut lire Hébreux 11. La foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses que je ne vois pas, mais que j'espère. Hébreux 11, verset 1, verset 6 maintenant. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À partir d'aujourd'hui, je déclare que vous croyez en Dieu dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que vous ne doutez plus. Je déclare que personne ne va plus venir influencer votre foi. Au sortir de cette vidéo, vous devez faire une offrande. Quand vous allez envoyer l'offrande, écrivez bien, dites dans votre bouche, je fais cette offrande pour la restauration de ma foi et de ma puissance. Pour la restauration de ma foi et de ma puissance. N'oubliez pas. Je fais cette offrande pour la restauration de ma foi et de ma puissance. Ceux qui comprennent et qui ont reçu sauront. Et s'il y a quelque chose de particulier, peut-être c'est ton visa. Je viens semer ceci. Je reçois mon visa. Je sème ceci. Je reçois mon enfant. Je sème ceci. Je reçois, je ne sais pas. C'est comme si tu mettais la pièce dans la machine. Tu commandes ce que tu veux. N'oubliez pas. À bon entendeur. Bonne nuit à vous.